Et salut à toi qui regarde cette vidéo. On continue hein, la petite descente aux enfers. Ah, intéressant ça. Ah, ça va cramer la corne. Ah, quoique, j'aurais peut-être tout le temps. Ah ouais, grave le temps en fait. Ok. Y'a rien au-dessus. Ah oui, putain, j'avais plus du tout. La gourmandise fut la triste faute de ces âmes couchées dans la boue sous une pluie noire et glaciale. Quelle est cette bête en bas? Cerbère, le grand ver. Comme un chien vorace aboyant qui se calme une fois la pâtée sous la dent, s'affaire les trois faces immondes du démon Cerbère qui sans cesse assourdit les âmes. Ah, mais il a l'air sympa ce Cerbère là. Un bon bro. Ok, si je peux me relever, ça peut être sympa. Ok. RB qui s'affichait. Ah ouais, mais attends, mais j'ai pas le temps de jouer en fait. Faut se calmer un peu là, 2 minutes. Ok. Il y a un truc à faire avec ça, mais je comprends pas. Ah. Non, fallait appuyer sur B. Okay. Je sais pas pourquoi la première fois que je me suis mis à côté, ça m'a pas affiché RB. Je sais pas pourquoi. Yeah.
Peut-être deux mois. Il m'a touché quand même. Ah d'accord, je peux même pas me relever sans me prendre une tartine. Merde, j'ai pas le temps. Ah, il s'en fout du feu. Ah non, c'est bon. Ça va marcher pour la tête du milieu, par contre. Ah ouais, mais... Ok. Ah d'accord. Ça marche plus comme ça, d'accord. Ah bah tu m'en vas aller. J'ai pas le temps. De l'intérieur. On y va. Une parade réussie a des chances d'étourdir l'ennemi. Ah, d'accord. Intéressant. Ah, le truc là, on dirait le truc dans Elden Ring. L'autre qui se transforme en je sais pas quoi. Et la gourmandise. Ok. Ah. D'accord. Ok. Oh, 9000. Ah ouais. On se met bien. Alors, attends, c'est ça que je voulais prendre tout à l'heure. Ouais, que je rappuie sur B. Ok. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Ça, ça c'est pas mal. Ça, on s'en fout. Ça aussi, ça aussi. Ah ouais, alors, est-ce que j'améliore ça? En même temps, je me dis que je pourrais peut-être les garder pour... là, je vais pas tarder à passer un niveau ici, de ce côté-là. T plus... Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a ça. C'est que j'ai toujours pas testé ce truc-là, quoi. Bon, pour l'instant, je vais les garder. Oh,
l'accueil. Ah, il peut me choper en l'air, la petite. Ah, il m'a chopé pendant ma technique, quoi. Carrément, on en est là. Bon, ça y est. J'ai plus de tarifs, hein. J'ai plus beaucoup de vie. Alors, qu'est-ce que t'as fait, toi? Tchatcho. Je sais pas comment on dit. Citoyen anonyme de Florence qui voit sa vie à ses appétits. Il traverse désormais l'éternité dans les profondeurs boueuses du troisième cercle. Il est un gourmand. Ah, ça, je passe un niveau. Tac. Alors, du coup, il y a quoi de nouveau ici, là? Briseur d'âme. Appuyez sur LTA lors du bourreau des âmes pour projeter les ennemis avant de les projeter. Avant de les achever. Bourreau des âmes, c'est quoi? Donc pendant que je fais ça... Bon, ça, c'est pour pouvoir le faire en l'air. Donc je rappuie dessus. Ouais... Tempête, appuie sur le 1 lors d'une tornade pour projeter les ennemis d'une attaque critique. Mais attends, là du coup ça remplace mon truc. Parce que j'ai déjà LT plus X. C'est où? Ah oui, d'accord, c'est que c'est l'amélioration. D'accord. Donc 2500 et 3000. Vas-y. Ok, il me reste 1007, on sait jamais. C'est rien en l'air pour frapper le sol d'une attaque fougueuse. C'est-à-dire, fais-moi voir ça. Ah oui! Et claque retentissante, maintenez Y en l'air pour déjouer les défenses ennemies avec une attaque critique. Ah ouais. Ça c'est bien. Alors putain, ça veut dire qu'il faut monter tout ça, quoi. Ok. Une force est ajoutée à l'énergie rédemptrice. Ah oui, bah c'est le même truc que l'autre côté. Et Ouragan de Luxure niveau 3. Ok. Du coup, je pense que je vais prendre le chemin là, pour aller là. Parce que ça, ça a l'air vraiment bien. On va faire ça. Et du coup, je peux changer la relique maintenant. T'as l'autre, t'es déjà passé niveau 2, quoi. C'était celui-là, je crois. Châtiment donne plus d'expérience. Ouais, c'est bien ça. Ok. Alors. Thank you.
merde, j'ai pas fait gaffe. Je pense qu'il faut que je la punisse. Quoi qu'elle ait fait. Une âme sale et indécente, cette soifarde débauchée et frivole notoire de Rome ne laisse que pourriture derrière elle. D'accord. Pourtant, ça a l'air d'être mérité. Hein. Ok. Pas me contrôler, qu'est-ce qu'elle raconte hein. Ce que ces ombres n'ont pu obtenir dans leur vie, ici leur sera refusé pour l'éternité. Mais ces âmes ne peuvent-elles jamais échapper à leur destin ? Alors, on regagne son pouvoir continuellement. La vitesse de régénération augmente avec le niveau de la relique. Ah ouais. C'est bien ça en vrai. Hein. Mais bon, pour l'instant, il faut que je garde le boost. Ainsi, jusqu'à ce que retentisse la trompe angélique. Chacun retrouvera alors sa chair et entendra ce qui résonne pour l'éternité. Okay. Tous ces tourments vont-ils croître ou bien s'atténuer après le grand jugement? Plus la chose est parfaite et plus elle attire le bien, mais aussi la souffrance. La perfection n'est pas de ce monde, mais ceux-là la poursuivent tout de même en vain. Ok. Ah, la santé. Est-ce que je vais pas me faire laver le fion avant de l'atteindre? Bien sûr que si. Ouais. Of course. Ok, si je peux dodge par contre, si je me fais toucher pendant que je me fais dodge, ça va peut-être pas le faire. Ok, mais il m'interrompt dans tout ce que je fais, bah c'est génial. Qu'ils soient complètement boosted là, déjà qu'ils sont à moitié craqués ceux-là de base là. Même pendant ce truc là quoi, ils peuvent me défoncer, c'est un truc de ouf hein. Ah bah ouais, bah super, je mets deux coups, une chope, quoi. Bah puis il me tue, bah oui, ouais, forcément. Ouais, faut que je le fasse pop et puis que je le... Ouais, je pense que ça faut que je le fasse pop et puis je l'attaque à distance, quoi. Thank you.
même pendant cette attaque là, c'est un truc de ouf. Il me touche, quelle que soit la situation. Ok, c'est super. J'ai rien qui me permet de l'esquiver, quoi. Phase de ouf quoi. C'est insupportable dans un jeu quand tu te fais permastun comme ça là, c'est vraiment... Qui t'a donc fait prêtre? Qui donc t'a fait prêtre? Je constate que tu es comme ton père. Crois-tu vraiment pouvoir ignorer tes péchés? J'ai pourtant mené la croisade. L'évêque nous a assuré l'absolution de nos péchés. Es-tu donc si naïf? As-tu vraiment cru ces vulgaires marchands de salut divin? Et toutes ces âmes perdues que nous avons tuées, où sont-elles? Leur cause aussi était sacrée à leurs yeux. Où sont-elles? Pourquoi ne les vois-je pas damnées dans cet enfer? Parce que ce n'est pas leur enfer, mais le tien. Inutile de pleurer, femme. Connaissant mon fils, il est mort depuis longtemps. Tu oses pénétrer dans ma maison ? Non! Pas ça! Elle n'a rien fait! Pas seul! Vois le massacre de ta famille, de ta maison, de ta façon de vivre! Sens-tu la douleur qui s'insinue en toi? Ce n'était pas ma sœur. C'était ma femme. Sois maudit. Que pourrais-tu me prendre de plus? Est-ce un défi?
quoi de plus? Mais c'est à toi de le découvrir. Continue ainsi, Dante. Hop, baisser le son. Alors, les souvenirs, ils sont ultra relous. Un truc là, mais c'était pas le bon plan. Oh putain! Je suis complètement merdé là. Et j'ai bugué hein, quand il m'a montré X ou B là. D'accord, ça n'a pas touché. What the fuck? Ça va marcher? Ah ouais, c'est faut se speeder quoi. D'habitude, j'ai plus le temps que ça quoi. Ok. Oh, attends, il y a des leviers partout là. Ça me fait, ouais, ça me fait revenir au même endroit. Est-ce que ça... Merde. Allez, d'accord, je peux pas aller directement comme ça, quoi. Là, c'est pareil, il y a un truc, je dois pouvoir le choper, ça. Quand il passe, ce truc-là. Ah oui, on voit Béatrice dans la brume derrière, j'avais pas fait gaffe. Je n'ai pas touché un seul de ses cheveux. Tout est à faux, Dante.
ta gueule, bâtard, parle pas de ma meuf comme ça, toi. Je peux plus descendre. C'est une blague ou quoi? Bah. Je pouvais monter, je peux. Ah ouais, non, c'est juste le jeu qui fait nimpe. D'accord. Intéressant. Bon, du coup, ça c'est fait. Ah, mais il est reparti le truc que ça avait fait pop. Attends. What? Ah non, là ça marche sur le truc en bas. Mais il était où le truc Ah non, c'est l'autre. C'est celui-là. Ça m'avance à quoi ça? D'accord, à crever. Ok. Alors, attends, il faut. Pauvre fille, elle saignait si joliment. Ah mais ah, putain, faut que je refasse ça là. Oh, ils sont sérieux. Putain. Il fait quoi déjà? Tu as son sang sur les mains, mon ami. Ah oui, ça c'est pour faire venir ça, mais ça du coup pour l'instant je vois pas trop à quoi ça sert. Donc on s'en fout un peu. Ça fait tourner le truc, c'est ça? Ouais. Donc si je fais ça. Ah non, alors attends, c'est qu'il faut faire ça. Se dépêcher d'aller là. Non. Bah non. Ok. Suis-je si débile que ça là? Mais ça m'a pas l'air clair leur truc là. D'accord que celui-là, il fait juste tourner le truc là. Il n'y a rien d'autre ici. Ah oui, il le fait juste tourner. Attends, je comprends pas là. Je prends celui-là, j'arrive là, ouais, bon, ça va pas ça. Ah, ça me refait partir en bas, oui, d'accord. Je n'ai pas touché un seul de ses cheveux. Tout est à faux, Dante. Ah, mais si. Putain, ça y est, je viens de comprendre.
Avec la perspective, j'avais pas... Donc là, j'ai le choix entre aller là ou activer ça. Alors, si j'active ça, ça fait quoi? Ah, ça fait tourner l'autre qui est en haut. D'accord. En sachant que celui-là... Bah, quoi ça m'avance là, que ça la fasse tourner celui-là? Ah, ok. Il aurait pu m'envoyer de l'autre côté. Ouais. Attends. Donc là. Comme ça. Attends, je viens de m'apercevoir, oui, je peux utiliser le truc pour quand la plateforme est en dessous, là, que ça me projette dessus. Parce que là, en vrai, ça me sert à rien quand il est de ce côté-là. Oh, t'es sérieux? Je peux pas descendre là? Oh putain, faut tout refaire. Putain, super. Oh la phase de merde. Bon, encore s'ils avaient pas mis les trucs à débloquer là, l'énergie. Non merde. C'est ça qu'il faut faire. Mais personne n'est venu. Enfin, les trucs à casser là. Mais... S'ils avaient pas mis ça encore. Hein. Ah, ça veut dire qu'à chaque fois, faut trop taper le truc, quoi. Tac. Non, j'ai mis à droite le joystick. J'ai pas mis en bas. Que ça mène ça. Merde. Ah, je me suis fait baigner la gueule. Ah, fait chier, putain. Je sais même pas de quand était la dernière sauvegarde là. Je sais pas si je peux pas y retourner. What? Ça ou ouais, ici c'est la suite, donc il y a un truc caché si tu reviens. Ah, mais non, ça m'a ramené là. What the fuck, c'est bien là que j'ai commencé.
que c'est que ça m'emmène là? Aucun intérêt. J'arrive pas à me rappeler la dernière fois que j'ai sauvegardé où est-ce que c'était. J'ai pas envie de me retaper 50 milliards de trucs. Ah, tant pis pour ce que j'aurais pas eu quoi. Avec un peu de chance, ils ont pas mis des trucs de ouf. Permet d'exécuter automatiquement une attaque régénératrice lorsque Dante perd connaissance. Une attaque régénératrice, c'est quoi ça? Ouais. Donc c'est en gros quand tu meurs, ça fait une attaque qui te redonne un peu de PV sûrement. Ça doit être bien, mais bon. Ah oui, bah oui. Intéressant. Ah oui, d'accord. Comment je suis censé faire là? Ah si, c'est qu'il faut que je le contourne. Oh putain. Sérieux? C'est vraiment ça qu'il faut faire? Oh, je peux pas le contourner. Attends. Comment je peux faire là pour passer? Je comprends pas. Ça me stoppe direct. What the fuck? Non. Oh putain, je voulais monter. Faut passer là, je comprends pas. Ah, dès que je m'en approche, ça me stun direct. Putain, y a un truc que j'ai pas fait au-dessus ou quoi? Puis lui là, qu'est-ce qu'il fait là lui? Faut faire quoi avec ça? Action de merde qui s'affiche pas. Alors, comment tu veux que je bouche les trois là? Je comprends pas.
Ah non, je crois avoir compris. Allez, vite. Vite, 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 vite. Alors, en même temps, si le truc il s'affiche pas, je trouvais ça bizarre aussi ce truc là. Ah, désolé. Ah d'accord. Intéressant. Ok. Attends, merde. J'ai pété le dessus. Je crois qu'il n'y avait rien, mais quand même vérifier. Ouais. Ah bah dis donc, quelle phase de plateforme extraordinaire. Là. Non. Oula, mais attends, comment on le chope celui-là? Voyons, t'es pas facile à voir, hein. C'était ça. Allez, allez tout. Comment vais-je nourrir ma famille? C'est pas mon problème. J'ai des amis à recevoir. Super papa. Avares et prodigues étaient ces esprits damnés. Ceux-ci furent jadis des clercs n'ayant pas limité leurs dépenses de leur vivant. Et à l'inverse, chez ces papes et ces cardinaux, l'avarice atteignit son paroxysme. Qu'advient-il de ces deux volontés opposées? Certains se relèveront avec le poing fermé, d'autres avec le poil rogné. Mal donner et mal tenir. Oui, à priver ses âmes de tout repos. Ok. Par contre, j'ai pas de sauvegarde là, avant de faire ça.
T'es sérieux là? Je suis comment là? Ouais, 3 de chaque côté, je suis à peu près au même niveau. Ouais. Ça, c'est pas mal. Merde! Oh putain. Oh là là, c'est compliqué hein. Je sais pas s'il faut vraiment passer par en dessous. Okay. Okay, je peux passer au-dessus. Ah, je voulais qu'il s'accroche. J'avais pas vu un premier coup. Dante est mieux protégé contre les attaques à distance. Ah. Ok. Mais du coup, ouais, attends, c'est. Elle est si loin que ça, la sauvegarde là. Je me souviens plus. J'essaye de zioter à gauche, à droite, un peu partout. Non, je suis descendu des cordes ici. Donc la sauvegarde était avant tout le passage des cordes là. Oh, ça c'est sympathique. Ça c'est sympathique comme tout. Putain, j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc ici là. Voilà, je pense que j'ai eu à peu près tout. Bon, avant d'attaquer ce passage-là, de toute façon, je vais arrêter la vidéo. On va se remettre un peu comme ça, là, voir un peu plus ce qu'il y a à faire. Voilà. Bon, là, il y avait une petite phase, quand même, de plateforme qui était pas ouf. Bon, il y a des moments où on sent bien, quand même, le vieux jeu. Enfin, moi, je le sens surtout, il y a des moments sur la réactivité, quand tu veux faire certains trucs. Mais bon. Quand même toujours un bon petit plaisir ce jeu avec ouais, toujours autant de diversité, on va dire. T'as pas l'impression de refaire tout le temps la même chose, donc c'est vraiment cool, ce qui n'est pas toujours le cas des beat'em all de l'époque quoi. Voilà. Bon bah merci d'avoir regardé. Moi je pense que de toute façon je vais continuer encore une vidéo de plus là, donc je devrais être à peu près chaud, entre guillemets, pour la prochaine vidéo, j'espère. Éviter de trop se faire laver, quoi. Voilà. Allez, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao, bye bye.